Voilà, donc c'est une première défaite à Guidera. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce match qui était compliqué d'entrée? Bon, il faut penser que Perpignan l'a pris la mieux abordée que nous, tout simplement. Ils ont une entame de match bien plus sérieuse que nous. On a nos sorties de camp qui nous ont mis en difficulté. On a tenté de ralentir. On peut commenter après cette zone de ruck, parce que j'ai entendu le joueur qui parlait de cette zone de ruck. Mais derrière, il n'y a rien à redire. Ils nous ont pris à leur jeu. Ils ont mis tout ce qu'il fallait pour nous mettre en difficulté, pour nous mettre à la faute. C'est surtout un coup après ce match à Vannes. C'est un coup d'arrêt alors qu'on était parti sur une bonne petite dynamique et que voilà, on a encore montré du caractère malgré tout. Mais je répète, c'est une victoire méritée. Un temps difficile, ça vous a coûté un petit peu, revenir au score, le doute s'installe. On a été en chasse en permanence, on n'a jamais été devant, on n'a jamais réussi à prendre le dessus, on n'a jamais réussi à dominer là où nous ont dominé. Sur le jeu direct, sur la puissance, sur la vitesse, sur... voilà, c'est tout simplement, le rugby c'est ça aussi, et qu'ils ont été plus forts que nous dans ces domaines-là. Première défaite à Aguilera, c'est un coup sur la tête, ou est-ce que... Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement dans ce match? Nous sommes tous déçus, vraiment tous déçus, parce que c'est la première défaite à la maison. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas le sourire, mais... Sur le match, voilà, ils nous ont dominé en première mi-temps, on fait trop de fautes. On n'arrive pas à jouer comme on... à mettre notre jeu en place. Voilà, sur le coup, ils sont arrivés, ils ont marqué petit à petit, ils ont dominé. On a essayé de rattraper, de jouer un peu, mais aujourd'hui, ça a été très, très difficile pour nous. Après, voilà, nous sommes tous déçus, comme je dis. Et c'est la première défaite, mais à la maison, et j'espère la dernière. Parce que, je pense qu'on a une très bonne équipe, de très bons joueurs. Donc on va tous travailler à fond pour la suite du championnat.